Bonne nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tout le monde de Kombo. Dans là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté chargé à partir à téléphone, au côté de la bande de Kou, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupérer, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange, Manina, Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami, Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandwer, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Makambaro, Télémanagement, Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindambon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandwer, on il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Information judiciaire à charge du cardinal Fridolin Ambongo. Acharnement ou bien respect du principe de l'état de droit. On vient de l'apprendre également, on l'a appris ce matin. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a offert des jeeps aux députés provinciaux avant l'élection des sénateurs et du gouverneur et son vice-gouverneur. Y a-t-il acte de corruption? On va le savoir dans cette émission. Passage du chef de l'État en Europe, d'abord par l'Allemagne, et ensuite Paris, France. Le chef de l'État reste rassuré que la France va donc accompagner le chef de l'État dans sa quête pour la paix et la liberté. La même France qui soutient le Rwanda, l'Union européenne qui a soutenu, qui soutient souvent le Rwanda, avec beaucoup d'argent, des millions de dollars, pour justement renforcer son armée. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission. Face à l'opinion, reçoit Monsieur Amissi Makutano. Il n'est pas présenté, c'est un habitué des médias, un habitué de la classe politique, un haut cadre du parti présidentiel. Il est là avec nous. Bienvenue, Monsieur Amissi Makutano. Merci beaucoup, Dan, pour l'invitation et merci à tous nos téléspectateurs qui auront l'opportunité de pouvoir nous suivre tout au long de cette émission. Alors, dites-nous un peu, de façon chronologique, c'est à quelle date que le chef du parti présidentiel, Augustin Kabouya, a offert des jeeps aux députés provinciaux? C'était quel jour, au cours de quelles circonstances que ces députés ont eu ces jeeps-là? Bon, personnellement, il faut retenir, Dan, que le parti politique, c'est un fait privé. C'est une organisation d'un groupe qui se retrouve justement par rapport à un idéal, par rapport à une vision. Et bien entendu, ce regroupement ne peut jamais se comporter comme les gens qui vivent dans une jungle. Il y a toujours une organisation. C'est par là où vous trouverez qu'il y a un président du parti, qu'il y a un secrétaire général, il y a des secrétaires généraux adjoints, il y a des secrétaires nationaux. C'est pourquoi, nous, en politique, on dit le gouvernement, c'est la miniature architecturale. Non, nos partis sont la miniature architecturale d'un gouvernement. On sous-entend qu'un parti politique, avec son président, son secrétaire général, aussitôt accédé au pouvoir, je crois que nous sommes cet exemple. Félix Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui l'a présenté comme candidat président de la République, il était élu au premier mandat sous les casquettes de l'Union pour la démocratie. Et peut-être malheureusement, dans le fonctionnement de l'État ici chez nous, il y a des conditionnalités justement pour avoir la majorité, nommer un premier ministre. Ça demande un peu de raccordement. C'est ce qui a fait. Mais sinon, si on avait une majorité, le président, sitôt élu directement, il nomme son premier ministre. Et le premier ministre, c'est le secrétaire général. Et le ministre d'État ou le vice-premier ministre, donc on commence par le vice-premier ministre, ce sont les secrétaires généraux adjoints. Les ministres d'État, ce sont les secrétaires nationaux et les ministres. Et il y a aussi les adjoints. Donc nous fonctionnons comme un gouvernement. Mais nous sommes la miniature architecturale d'un gouvernement.
Alors, vous m'avez demandé si c'était à quelle date. N'oubliez pas qu'il y a eu des élections dans ce pays. Et en ayant des élections, nous avons élu le président de la République, nous avons élu nos députés nationaux et les députés provinciaux et le conseiller communaux au même moment. Mais tellement que le processus est en cours, nous avons eu des députés nationaux qui siègent à l'hémicycle, entre autres moi-même, et nous avons eu des députés provinciaux qui sont dans les assemblées provinciales. Et tellement que le processus continuait, il devait élire les sénateurs et le gouverneur. Vous savez, ça revient tout de même. Parce que nous, nous ne pouvons pas nous comporter comme les autres, mais nous avons le devoir, justement, de mettre à la place ce que les gens n'ont pas ce courage-là de faire. Pourquoi avoir remis ces jeeps aux députés provinciaux avant l'élection des gouverneurs et des sénateurs? Non, non, vous savez, la commande, quand on passe la commande, la commande, ça ne vient pas le même jour. C'était un prélude de ce qui va être fait. Nous avons des députés provinciaux qui sont les députés de l'UDPS, qui ont été alignés par l'UDPS, qui l'UDPS a supporté pendant la campagne. C'est-à-dire ce sont les enfants de la maison. Mais bien entendu, c'est comme que vous avez votre enfant à la maison. Quand il vous amène un bon résultat... Dans l'UDPS, il y a beaucoup de structures. Je suis en train de dire... La Ligue des femmes... Non, non, attends. Pourquoi seulement les députés provinciaux? Non, non, il ne faut pas dire ça. Les députés appartiennent dans les structures. Si vous les voyez tous, moi j'ai mon président de Lukunga, qui est dans la structure de la Ligue des jeunes. Il est député national, il est député provincial. Mais cela n'empêche de faire un geste. Pourquoi n'avoir pas donné aux députés nationaux, seulement aux députés non, provinciaux? Non, il y a les enjeux. Mais pour les députés nationaux, vous voulez qu'on puisse divulguer la réalité ici? Je dis non. Ce que vous avez vu, c'était pour les députés provinciaux. Mais pourquoi? On les a envoyés. Alors, quand vous envoyez votre enfant à l'école et vous amène un résultat positif et que vous l'encouragez, c'est la corruption. C'est quel résultat positif qu'ils ont? Mais il a réussi, par exemple. Il a réussi avec, en tout cas, un pourcentage appréciable. La question au-delà que, de... La question que je pose. Ouais. Les élections ont été organisées à plusieurs niveaux. À la présidentielle, législative nationale, provinciale et même municipale. Au niveau des députés nationaux, jusque-là, il n'y a aucun cadeau qui a été offert. Oh, vous ne connaissez pas. Il fallait nous demander. Députés des communaux, élus communaux, il n'y a aucun cadeau. Mais ils ne sont pas encore. Mais à la veille des élections, les sénateurs, les gouverneurs, on lui donne des jeeps. Attends. C'est dû à quoi? Attends. Oui. Est-ce que vous avez une ligne budgétaire où vous pouvez ressortir l'argent qui a acheté les jeeps? Nous vivons par les aides, par des legs. Nous contribuons. Nous, tous qui travaillons, nous contribuons. Et les partis décident par rapport à la constitution. C'est comme quand on était pendant la période de campagne électorale, les partis ont donné à chaque candidat une somme d'argent. C'était la corruption. C'était pour la campagne électorale, ça c'est. Mais ça s'explique. Mais on vous a envoyé pour amener les sièges. Vous avez ramené les sièges. Comment on ne peut pas vous encourager? Le gouverneur, c'est le gouverneur de l'UDPS. C'est notre gouverneur. Nous sommes majoritaires à l'Assemblée provinciale. Avec nos mosaïques. Alors là, c'est un encouragement. Mais bien sûr, c'est un encouragement. C'est un encouragement. Ceux qui pouvaient venir avec la corruption, ce sont ces gens-là qui n'ont aucun député, mais ils veulent devenir gouverneur. C'est la réalité. Comment vous pouvez poser votre candidature là où vous n'avez aucun député? Il y a presque les représentations là-bas. Il y a les candidats de l'UDPS. L'UDPS, à elle seule, elle a 14 députés. Les mosaïques de l'UDPS en ont 6 députés. C'est combien? C'est 20 députés. Il y a les chefs coutumiers qui ont été cooptés, qui étaient à 4, qui ont adhéré à l'UDPS. C'est 24 députés. Il y a nos amis du MLC qui avait, je crois, 6 députés et les autres ont été convaincus par les programmes exposés par les candidats de l'Union pour la démocratie et le progrès social, M. Daniel Bumba, que je profite devant votre micro pour lui présenter mes sincères félicitations.
Vous vous rappellerez, j'étais avec vous quand je vous ai parlé de Daniel Bumba et je vous avais dit que c'est lui le candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social et il va remporter la victoire. C'était un encouragement de notre parti. Ce n'était pas une corruption parce que celui qui va corrompre, c'est celui-là qui n'avait aucun député au niveau de l'Assemblée provinciale. Une Jeep. Vous avez offert combien de Jeep au total? Pour nos députés? Oui. Mais on les a donnés. Nous avons 14 députés plus nos députés de Mosaïque. Donc 20 jeeps. Non, le nombre de nos députés, c'est le nombre de véhicules que nous avons donné. Le nombre de vos députés à l'Assemblée provinciale. Oui, entièrement. Exactement. Alors, une Jeep coûtait combien? Une Jeep? Oui. Mais il faut comprendre que le concessionnaire, quand il vient, il donne. Hein, il s'attend avec les responsables du parti. Vous comprenez? On va regarder dans notre caisse, nous avons combien, et quand nous passons la commande, et cette commande va correspondre par rapport à notre capacité de payer. Mais et voilà. Il y a un prix quand même, vous cherchez, même si vous allez prépayer de façon progressive. Mon frère, si vous voyez. Mais il y a un prix par rapport si, à ça. Jeep. Si vous voyez des jeeps là, c'est dans les 50 000. 50 000 dans les 45 000, 50 000, oui. Voilà. Donc vous avez offert une 48 jeeps. À... 48 jeeps? C'est fou? Vous avez fait combien de jeeps au total? Mais c'est pour nos députés. Mais combien ceux de qui ne sont pas. Il faut demander les gens de l'ACP. Est-ce qu'ils ont eu le jeep? Non, ils ne sont pas nos députés. Oui, nous, la population nous suit en ce moment. Elle mais est nombreuse. Cette population. Nous combien de jeeps? Je suis en train de vous dire. Oui. Parce que je ne passe pas dans un interrogatoire. Oui, bien sûr, on veut comprendre. Simplement. Non, moi, je suis en train de vous dire. Oui, oui. Ce qui est important, c'est de savoir que l'IDPS a donné à ses députés des jeeps. Point barre. D'accord. Donc, le contenu de nombre et les restes, ça reste interne. On n'a donné que pour nos députés. Si vous demandez aux gens de l'ACP, ils vous diront que non, on n'a rien reçu. Les autres députés, on n'a rien donné. Mais vous êtes en union sacrée. Pourquoi avoir donné non, à non, vos députés? Ils non. Vous ont aidé à élire. C'est notre, c'est notre. Mais ils vous ont aidé à élire. Mais c'est notre, arrangement. C'est notre arrangement. Si leur autorité morale a vu que ce que nous avons fait était utile, ils pouvaient aussi se joindre au dossier. Mais nous avons pensé que nos députés méritent mieux quand même. Ils ont bâti campagne. Ils nous ont amené des sièges. Et voilà, il y avait aussi l'échéance de l'élection de gouverneur. Le gouverneur était membre de l'UDPS. Alors, est-ce qu'il y avait un débat? Il revenait au parti de pouvoir réfléchir comment encourager ces députés. Ce ne sont pas les députés des autres partis politiques. C'était les députés de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Donc, nous avons le droit de tout faire. C'est notre maison. On n'est pas allé prendre les députés des autres. Alors, j'ai même ma main à couper. Oui. Si vous tomberez sur un député d'un autre parti politique qui a bénéficié la Jeep sans le consentement ou de son autorité morale ou de son responsable. Monsieur Messi Magoutan, vous êtes au cadre d'un parti, du parti présidentiel. Bien sûr. Comment vous définissez le mot corruption? Corruption, oui. C'est quelque chose d'induit. Hein. C'est quelque chose que quelqu'un ne mérite pas. Que vous donnez à quelqu'un. Vous donnez. Donc, vous savez, la corruption peut se définir dans plusieurs formes. Oui. C'est l'achat aussi de la conscience. La corruption, c'est l'achat de la conscience. Quelqu'un qui voulait faire autre chose, mais vous le ramenez à pouvoir désorienter ce qu'il pouvait faire. Vous comprenez? Mais ici, ce n'est pas le cas. Mais quand vous allez offrir des jeeps, vous ne pensez pas que vous avez désorienté les députés provinciaux à faire leur choix, leur propre choix. Vous n'avez pas désorienté. Le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de les garder le plus longtemps possible. De toutes les manières. Je viens. Oui. Entre autres, il faut être valablement représenté au niveau du Parlement. L'IDPS, c'est la première force. Il faut être représenté au niveau du Sénat. Je pense là aussi, l'IDP, c'est la première force. Il faut être représenté dans les ensembles. Nous avons présenté, je crois, 14 à 15 candidatures. Je crois que nous avons récolté la moisson. OK? Par ricochet, dans notre fonctionnement, nous ne pouvons pas rester statiques. Il nous faut penser à comment encourager et les autres qui restent par rapport à d'autres séances qu'ils puissent emboîter les pas. C'est un encouragement. Nous ne sommes pas allés chercher là ailleurs. Non. On n'a pas acheté la conscience de quelqu'un. Non. Mais c'était pris in globo. Mais les dans gens, la généralité. Mais les gens réfléchissent. Voilà. Vous avez donné des jeeps à vos députés oui. élus. Oui. Ils ont été élus le 20 décembre. La publication des résultats, c'est depuis le mois de février.
Nous sommes, fin avril. Pourquoi n'avoir pas donné ces jeeps-là un peu plus tôt, quand ils étaient déjà élus, quand ils vous ont ramené le mandat? Pourquoi avoir attendu 2 mois après leur donner des jeeps? Donc la fabrication des jeeps, nous avons l'usine ici. Calculer le temps de passer la commande, de nous ramener jusqu'ici et d'avoir la possession de ces outils. Ça va nous prendre combien de temps? La commande était faite depuis longtemps. Mais bien entendu. C'est après avoir proclamé, provisoirement d'ailleurs, on a pensé à encourager certains d'entre nous. Seulement nous les provinciaux, pas les nationaux. Nous aussi, nous sommes encouragés autrement que je ne peux pas dire sur ce plateau. Vous, les députés nationaux. Bien sûr. Alors, vous êtes encouragés par le parti. Le parti. D'où vient l'argent du parti? Mais on contribue. À quelle hauteur? Non, par exemple, moi, ce que je gagne, je donne mes 10%. C'est avec ça que vous achetez les jeeps de 50 000 dollars à chaque député. Il faut maintenant calculer, nous sommes combien dans les institutions? Nous sommes combien? Tout celui qui bénéficie, il contribue. Et nous tous, nous contribuons. Est-ce qu'à l'UDPS, il n'y a pas d'autres problèmes plus urgents que ça? Quel est ce problème? Qui va les spécifier? Parce que nous étions pendant la période des campagnes électorales, l'élection... On a élu le député. Voilà, nous sommes dans une mise en place des institutions. Maintenant, quand vous voulez nous amener la priorité politique, c'est quoi? Parce que jusque-là, le gouvernement n'est pas encore mis en place. On doit avoir le gouvernement. On aura le programme du gouvernement où tout le monde doit mettre la main pour la réalisation des 6 axes du président de la République. Là, nous allons nous focaliser. Mais pour l'instant, nous sommes à l'installation des institutions. Voilà ce qui est en train d'être fait. Je crois que c'est ça la priorité même. C'est ça la priorité même. Ouais. Voici la réaction de Lacage. Ouais. Lacage juge inadmissible que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, puisse justifier la corruption de ses députés provinciaux intervenus à la veille de l'élection du gouverneur de la ville-province de Kinshasa par une distribution de véhicules. Cette ONG demande à la justice, maintes fois traitée de malade, de ne pas se plier face à cette infamie politique qui ne vise qu'à faire obstruction à ces investigations en cours sous ce scandale qui met en mal la moralité du personnel politique congolais. Je suis un peu estomaqué de voir des incriminations. Nous avons des personnalités, des personnes qui ont des partis politiques ici. Ce sont des personnalités, ce sont des respectueux de principes. Si nous commençons par... l'UDPS, nous avons les MLC avec Jean-Pierre Bemba, nous avons la FDCA qui regorge à son sein plusieurs partis politiques avec Modeste Bahati Lukwebo, nous avons UNCA de Vital Kamerhe et que sais-je encore. Oui. Est-ce que vous avez vu les responsables de ces partis politiques venir devant vous pour dénoncer un comportement qu'eux ont jugé de détourner l'attention de leurs députés? Parce que vous n'ignorez pas, tant qu'il serait du présent, en 2018, l'UDPS a réclamé les sénateurs alors qu'on avait des députés provinciaux. Si on pouvait avoir des députés provinciaux, on allait avoir 3. Et les sénateurs, on allait avoir 3. Mais on a eu 0. Donc il y a des gens qui ont acheté les consciences de nos députés. Mais cette fois-ci, nous nous sommes organisés. Les erreurs peuvent nous amener aussi la solution. On a appris de nos erreurs passées. Et nous avons mis nos mécanismes pour protéger nos élus à nous. Ce n'est pas les élus des autres. Vous les protégez. Moi, quand je traite mes enfants, ils mangent, ok? Ils vont à l'école. Mais quand ils posent un acte qui m'honore, je peux encore l'honorer. Je peux faire plus de ce que je fais chaque jour. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Les gens veulent orienter un débat outre. Mais je crois que ces pratiques ne sont pas les pratiques de l'UDPS. Nos députés ont été conscients. Ils ont posé les actes en âme et conscience. Et aujourd'hui, nous nous frottons les mains parce que nous avons les résultats escomptés. Libre choix à ceux qui dénoncent parce qu'ils n'avaient aucun député. Ce sont ces gens-là que la justice doit se saisir. Toi, tu as voulu être gouverneur. Aucun député. Tu n'as jamais été dans un parti politique. Donc, le parti-là a fait le travail pour trouver des députés et que ces députés puissent te servir, toi, là. Mais les députés sont à vous. Pourquoi les avoir encore, leur avoir encore donné des jeeps? Parce que vous savez qu'ils... Je suis en train de développer, mais parfois,
je constate que vous ne voulez pas être avec moi. Non, 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 je vous suis. Non, moi personnellement, je pense que je dois vous aider. Ce sont nos députés, ce sont nos enfants. Si on veut encourager son enfant, vous ne demanderez pas à la personne de qui que ce soit. Ce sont mes enfants. C'est un encouragement. Oui, j'ai encouragé mes enfants. Où est le problème? Hein? Mes enfants ont réussi l'année passée. Ils m'ont demandé, ah papa, même pas un cadeau. Ok, je trouvais le gîte. Celui qui aime les ballons, je l'amène les ballons. Celui qui aime les shawarma, je lui amène les shawarma. Ça, vous allez considérer comme si c'était une corruption. J'ai dit non. Mais pourquoi ça crée autant de remous? La mauvaise foi. La mauvaise foi. Les gens veulent juste apparaître. Ils veulent qu'ils soient suivis. Mais pour l'IDPS, ils n'auront pas de brèche. Mmh. Ouais, nous sommes très conscients. Avec notre petite organisation, nous avons essayé quand même de mettre à l'aise nos députés. Si vous verrez le président Bemba, hein, réclamer que non, mes députés n'ont pas choisi celui que j'ai choisi. Là, vous allez nous dire. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que nous avons fait un ticket, l'IDPS et les MLC. Ça veut dire tous nos députés deviennent un. Ceux de MLC aussi ont eu de DIP. Vous dites? Ceux du MLC, ils ont aussi... Chez nous, la famille reste la famille. Bénéficier des DIP. Il y a eu la complicité de Jean-Pierre Bemba et Augustin Kabuya pour mettre les enfants à l'aise. Donc, il n'y a pas de souci. Les enfants ont tous obtenu des DIP de 50 000 balles. On va donc avancer. Non, je ne sais pas les prix. Ça peut être même 35, 40. Mais j'ai dit, le maximum, c'est 50. D'accord. On a vu le chef de l'État en Europe s'exprimer devant la diaspora congolaise de Paris. Avant, il a été en Allemagne. Commençons d'abord par l'étape de l'Allemagne. Mmh. D'abord, la délégation du chef de l'État. On a vu beaucoup de gens, des enfants dans cette délégation. Pourquoi avoir amené beaucoup de gens comme ça pour parler des questions sensibles? Pourquoi autant de personnes dans la délégation du chef de l'État? Des enfants comme qui? On a vu des jeunes gens dans la délégation. Mais les jeunes gens qui habitent en Allemagne, où est le problème? Vous savez, Dan, ce pays est béni. Mais nous-mêmes, nous ne connaissons pas la bénédiction que nous bénéficions de Dieu. Félix Tshisekedi, c'est un choix. Un, c'est un choix divin. Deux, il est aimé par son peuple. En Allemagne, il y a des Congolais qui ont l'information pour dire « Votre président sera ici ». Ils se mobilisent. Même ceux qui habitent ici, ceux qui sont venus ici, même ceux qui travaillent ici. Mais ils ont leur résidence en Allemagne. Et il est passé avec combien de personnes? Vous dites? Il est passé avec combien de personnes au total le président, dans sa délégation? Moi, je ne suis pas dans les services du chef de l'État pour vous dire le nombre. Mais je pense que ce n'était pas beaucoup aussi. Il dépasse avec sa garde. Avec Vital Kamerhe. Non, non, Vital Kamerhe l'a rejoint en France. Mm-hmm. Est-ce qu'en Allemagne, vous avez vu Vital Kamerhe? Voilà les gens, comment ils aiment les raccordements frauduleux. Mais il va faire quoi là-bas, Vital Kamerhe, en tant que député national? Mais il accompagne le président. Mais le président choisit qui il veut. Nous ne pouvons pas nous inviter dans le pouvoir discrétionnel du chef. Il peut dire que non, Amis, accompagne-moi. Je vais accompagner le chef de l'État. Et il n'y a personne qui va dire non, non, tu ne pars pas. Non. Et vous croyez que non, Vital Kamerhe s'est invité là-bas? Non. Il a été invité par le président de la République et il s'est pointé présent. Et donc voilà. À charge du trésor. Tous ces voyages, est-ce que vous croyez que c'est à charge du trésor. Est-ce que vous croyez vraiment que le président va se déplacer avec son argent propre? Quand il part là-bas, il part défendre sa famille. La grande délégation qui a. Il n'y a pas la grande délégation. Toute la délégation, elle est importante. Il ne nous revient pas à pouvoir. Dites-nous, qu'est-ce que Vital Kamerhe particulièrement et peut... Mais n'oubliez pas que c'est le candidat de l'Union sacrée pour la nation au perchoir de l'Assemblée nationale. Le président avait un rendez-vous, justement, de passer au Sénat et au Parlement français. Il devait être accompagné par celui qui est porté par la grande famille, qui est l'Union sacrée. Il ne pouvait plus amener Mbosso parce que Mbosso, c'est un président sortant et il a le bureau provisoire. Mais c'est lui qui, on sous-entend par rapport à notre grande famille politique, qui va présider... au destiné de cette chambre, il peut déjà l'introduire pour comprendre que non, je suis avec celui qui est candidat
chez moi. Et parfois, dans les jours qui viennent, ils vont faire les relations entre les institutions. Et donc, c'est un mouvement anticipatif. Est-ce que la formation du gouvernement est une urgence pour les chefs de l'État? Mais bien entendu, c'est une urgence. Mais n'oubliez pas que la Constitution, elle est lourde. À quel niveau? Mais bien entendu. À quel niveau? Parce qu'avant d'abord de nommer ou bien de mettre en place un gouvernement, il faut au préalable se rendre compte que vous avez une majorité qui est de 251 plus 1. Et quand cette majorité n'est pas là, il faut nommer un informateur qui doit identifier au sein du Parlement cette majorité. Ça prend du temps. Okay, oui. Après avoir identifié la majorité, il revient aux députés de pouvoir se déclarer que je suis de la majorité ou je suis de l'opposition. Ok? In fine, après cet exercice, le président va nommer le premier ministre. N'oubliez pas qu'il n'y a pas un parti politique qui a atteint la majorité au niveau du Parlement. Par conséquent, il y a des propositions, ça et là, d'autres. Des partis politiques, des mouvements, des regroupements qui vont proposer, n'est-ce pas, les gens qui peuvent être choisis. Mais comme les consultations ont pris fin. Les consultations de la madame, la première ministre, ont pris fin il y a bien longtemps. Les consultations bien longtemps. Du chef de l'État lui-même. C'était le samedi. Mais oui, ça fait plus d'une semaine. Ok. Plus d'une semaine que ces consultations ont pris fin. Maintenant, la formation du gouvernement. La formation du gouvernement, qu'est-ce qui bloque? Il n'y a rien qui bloque. Parce qu'ici, il faut tenir compte de la représentativité sur les plats ethniques. Vous comprenez? Il faut que toutes les parties soient représentées. Si vous ne composez pas bien, il y a tel coin qui vont dire non, nous, on ne te retrouve pas dans ça parce qu'il n'y a pas tel, il n'y a pas tel. Ce sont des calculs. En même temps, il faut qu'il y ait la femme, il faut qu'il y ait la jeunesse. Tout ça, ce sont des calculs. Et ils sont dans ça. Et donc, le président de la République va rentrer le week-end. La semaine prochaine, on aura le gouvernement. La semaine prochaine, on aura le gouvernement. En termes de consultation, on a vu Madame Marthe Kassalou recevoir aussi des personnalités politiques. Est-ce qu'elle a aussi consulté, comme on l'a appris, est-ce qu'elle a aussi consulté les Madame Kassalou n'a pas reçu les personnalités. Si, elle a reçu. Ce sont les personnalités qui sont allées le saluer, entre autres le membre du Présidium. Mais elle a reçu Madame la Première Ministre aussi. Mais elle est membre de l'UDPS. Oui. Quand elle partait là-bas, sans caméra, vous ne pouviez pas vous imaginer. C'est notre maman. C'est à quel titre? Elle nous... elle les reçoit à quel titre? Elle est la fondatrice de l'UDPS. Dans ses entrailles, il y a une dame qui est sortie comme elle. On a valorisé la femme. Et cette femme, elle est combattante. Elle a été encadrée par la grande maman de la République. Alors, pourquoi madame la Première Ministre est allée chez elle? Aussitôt nommée... Mais moi, je ne vous comprends pas. La question, c'est ça la question. Mais je vous dis, la responsabilité veut que, aussitôt, je me permets avec la tautologie peut-être, aussitôt responsabilisé, tu dois reconnaître tes arrières. Tu viens d'où? Tu dois. Mais oui. Maman Marthe n'est pas n'importe qui, mon frère. C'est elle qui a... C'est comme Tshisekedi. Elle a joué un rôle dans la nomination. Maman Marthe, c'est Tshisekedi aujourd'hui. Donc, Maman Marthe et le président Tshisekedi, c'est la même personne. Oui, c'est Tshisekedi. Pas le président de la République. Maman Marthe, c'est Tshisekedi Etienne, aujourd'hui. Ce parti a été créé avec elle. Elle nous a prêché, elle nous a accompagnés, elle nous a appris les valeurs. Parce qu'aujourd'hui, elle est maman du chef de l'État, elle ne mérite plus sa place en tant que la maman fondatrice de l'UDPS. Non. Alors, vu les gens... se mettre à genoux, elle posait la main sur des personnes qui allaient la voir, ça veut dire quoi? Nous sommes des Bantous. La bénédiction de ses parents, je crois que ça a quand même une représentativité dans nos vies. C'est notre maman. Si elle prie pour nous, elle n'appose pas sa main pour nous envoûter. Elle appose sa main pour que Dieu puisse se rappeler que sous la terre, ce sont les parents qui sont les dieux. Et elle aussi, elle est dans ça. En tant que parent, elle pose la main sur ses enfants. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Le chef de l'État à Paris, en France, au cours du point de presse avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit, parmi les décisions prises, il a dit, tous
tous les groupes armés doivent déposer les armes. Tous, sans exception aucune, seules les forces armées du Congo, de la RDC, doivent être actives dans la partie est de la RDC. Monsieur Amissi Makoutano, la problématique, ici se pose dans la problématique des Wazalendo. Les Wazalendo. Quand Emmanuel Macron dit que tous les groupes armés doivent déposer les armes, est-ce que vous pensez qu'il ne fait pas allusion également au fait que les Wazalendo doivent également déposer les armes? Toi, tu crois que les Wazalendo, ce ne sont pas des Congolais? Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un vient violenter tes parents, il tue tes frères, et quand tu dis que non, il faut que ça prenne fin, tu deviens quelqu'un à effacer sur la lignée familiale. Les Wazalendo, ce sont des Congolais qui se battent contre l'injustice. Des gens-là qui viennent d'ailleurs, des autres frontières, qui franchissent nos frontières pour piller, tuer, faire des massacres. Est-ce que Macron a dit... Alors, nous, en tant que Congolais, vous savez, mon frère, même quand vous écoutez votre Macron, là, moi, chez moi, ça n'entrait pas. Mais le chef d'État dit que la France allait accompagner... Le président est en train de faire son rôle. Il joue son rôle. Moi, je suis Congolais. Dans cette histoire, la diplomatie exige. Il est le premier diplomate de la République. Vous comprenez? Parce qu'il veut le mettre à nu. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à dire que non, l'intégrité du Congo n'est pas négociable. Ce n'est pas ça. Mais ils sont là derrière avec leur Union européenne en train de fournir les armes, même les hommes au Rwanda. Parce qu'ils tirent les ficelles, ils ont des intérêts. Les Congolais doivent regarder en face, derrière la détermination de leur président. Mais le président a dit qu'on peut compter sur la France désormais. France qui dit ouais. Tous les groupes armés doivent déposer les armes. Seuls les FARDC... C'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce qu'ils partagent donc le même point de vue? Donc pour vous, vous ne voyez que la parole de la France est une parole d'évangile. Parce qu'il dit tous les groupes armés, vous, en tant que Congolais, vous commencez par les Wazalendo. Pourquoi ne pas dire les RDF? Les soldats des Ouganda, les soldats du Rwanda. Vous commencez par les Wazalendo. Les Wazalendo sont sur leur terre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, il y a quel village du Rwanda qui a été pris par les Wazalendo? Quel village? Mais ils viennent causer du tort au Congo. Entre eux et nous, qui peuvent bondir le prêve? Pourquoi le chef a dit qu'on peut compter sur la France? Mais on peut compter sur la France sur le plan diplomatique. Vous comprenez? En quoi faisant? Parce que, ils fournissent les armes, ok? Au Rwanda. Au Rwanda. Alors, quand ils disent non, en tout cas, nous avons compris, on cesse quand même à soutenir. L'Union européenne, c'est la France. Tout ça, c'est un complot. Mais le président est en train de les démasquer pour que le Congo puisse avoir sa raison de dire, voilà, ces agresseurs. Parce que c'est avec Félix et Tshisekedi, on a pointé du doigt le Rwanda. C'était juste les M23, les M23. Mais quand ils sont défaits là-bas, voilà l'arsenal, c'est RDF et PDF, vous comprenez? Ils sont habillés aux tenues de l'armée rwandaise. Et c'est l'armée rwandaise qui est sur les sols congolais. Parce que moi, je suis toujours dans la réalité de dire le bonheur du Congo ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Alors, le chef de l'État a fait savoir qu'il veut rencontrer Kagame pour lui dire qu'il est un criminel et que ça suffit. Est-ce que ça va régler là, le problème? Même si ça ne règle pas le problème, mais il faut avoir le mot direct. Nous avons des hommes qui sont sur le terrain, qui se battent, qui donnent leur vie au sommet. Qui cause les torts aux Congolais? C'est Kagame. Qui était le président du Congo, de la RDC? C'est Félix Tshisekedi. Et sur le plan diplomatique, il faut qu'il se regarde en face. Mais il y a des conditionnalités. Ce n'est pas seulement se rencontrer pour les rencontrer. Les rencontrer pour lui dire des choses. Mais avant que cela soit ainsi, ils doivent quitter le sol congolais. C'était ça le préalable. Et par ricochet, nous en tant que peuple, nous en tant que patriotes, nous devons accompagner la volonté du président de la République pour que nous puissions dire ça suffit et que cette guerre doit retourner là où elle est venue. Alors comment pensez-vous, vous êtes au pouvoir, comment pensez-vous mettre totalement fin à cette insécurité dans des conditions pareilles?
par la France qui nous propose la voie diplomatique. Axe Angola, axe Kenya. Est-ce que vous pensez que ça va aboutir? Mais le Congo a toujours été inscrit dans cette logique. Nous ne nous sommes jamais écartés. Mais qui viole? Cette guerre, il faut utiliser toutes les méthodes possibles. La guerre, la diplomatie, la ruse, tout ce qu'il faut. Nous devons mettre ça en place. Mais ça fait plusieurs années que vous êtes en train de chercher à résoudre cette insécurité. Mais heureusement, qu'est-ce qui bloque? Mais heureusement, c'est pas Félix Tshisekedi qui est venu avec cette guerre. La guerre, elle a commencé il y a des cela. 40 quelques, 50 d'années même. Vous avez assisté à l'AFDL ici. C'était quelle guerre? C'est toujours la même guerre. On a eu le théâtre ici avec la signature de l'accord où on a bradé l'intégrité du territoire national. Ce n'est pas comme Félix Tshisekedi. Le président est très ferme. Il n'y a pas de portion. Oh non, il faut les inscrire dans, il faut les introduire dans l'armée. Ils doivent aussi occuper. Dit. Les Congolais vont régler leurs problèmes eux-mêmes. Et c'est ce que je vous ai dit, parfois peut-être au retard de la sortie du gouvernement. Il faut tenir compte des sensibilités, des représentativités. Nous-mêmes, nous savons comment nous allons régler nos différends, mais pas avec le Rwanda, un petit pays qui se joue avec nous. Non. Quelle est la priorité aujourd'hui du chef de l'État? Il y a 6 axes. Je crois que vous êtes... Vous non, êtes... non, non, non. La priorité dans les questions de l'insécurité. Je dis, il y a 6 axes. Il y a 6 axes. Comment vous comptez faire? Parce qu'aujourd'hui, il y a 7 millions de déplacés internes, des gens qui vivent à la belle étoile, les gens qui ne sont pas chez eux, dans leur domicile de tous les jours. Le président en connaît plus. Ils sont en train de souffrir. Le président en connaît plus que vous, les journalistes. Oui, mais comment... Jusqu'à quand est-ce que ces gens continueront à souffrir? La guerre, elle est connue le jour où ça commence. Mais le jour où ça finit, ce n'est pas connu. Il faut demander à Mao Zedong. Mais dites-nous. Il n'y a pas la baguette magique. Les troupes sont sur terrain. La diplomatie fait son travail. Et nous allons le constater tous. Dire qu'il y a un timing, non. On connaît le jour où ça commence. Mais le jour où ça finit, ce n'est pas connu. On connaît le jour où ça commence, le jour où ça finit, c'est pas connu. La question du... Cardinal Fridolin Ambongo, on a ouvert une instruction, une information judiciaire à charge de l'archevêque de Kinshasa. Il est parmi les membres du C9, les 9 cardinaux qui siègent aux côtés du pape, parmi les plus influents en Afrique, si pas le plus influent en Afrique. Alors, est-ce que c'est de l'acharnement ou parce qu'on veut respecter l'état de droit en RDC? Nous sommes dans un état. Cardinal qu'il soit, évêque qu'il soit, pasteur qu'il soit, il n'est pas au-dessus de la loi. Et quand vous vous livrez à des sentiments, c'est pourquoi on dit toujours en latin « actori incumbit probatio ». Quand vous alléguez les faits, il faut en apporter les preuves. Un patriote, si on en a un dans ce pays qui a suivi les dires de Ambongo, même si qu'il soit à l'opposition, j'ai parlé avec certains qui ont dit il a exagéré. Ça, ce n'est plus la parole d'un homme de Dieu. Là, il est dans les sentiments. Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce qu'il a dit? Moi, ce qui m'a choqué, moi, personnellement, c'est de dire que par rapport à la répartition des cadeaux et des gâteaux, il y a des Congolais qui ne se sont pas retrouvés. C'est pourquoi ils se sont rebellés. Dans ce pays, nous avons un gouvernement, nous avions un gouvernement de 56 membres. Mais nous sommes 100 millions. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un gouvernement de 100 millions de Congolais. Lui, quand il parle des gâteaux, de quel gâteau parlait-il? Il parle de quel gâteau? Mais quand vous avez les institutions qui sont budgétivores, vous avez la présidence, la primature, le Parlement qui consomme beaucoup d'argent. Est-ce que vous savez beaucoup d'argent? Vous avez déjà interrogé d'autres institutions. Et la primature. On est prêt pour parler. Mais la primature, c'est là où réside le pouvoir. Parce que c'est à tort où nous demandons les comptes au président de la République. Non! Les comptes doivent être demandés au Premier ministre. C'est elle qui coordonne l'action du gouvernement. Mais pourquoi ça consomme? Et dans le gouvernement, nous retrouvons toutes les sensibilités et surtout tout ce qui a trait de la vie sociale. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal qu'un député touche plus de 20 000 $? Qui vous a dit député? Moi-même, je suis député. Je cherche même avoir 5 000, je n'en ai pas.
Vous avez suivi Mbosso. Ces chiffres-là. D'ailleurs, hier, le président, oui, j'ai aimé le président. Quand on lui a demandé de donner les chiffres sur les salaires d'un député, il a dit 6 000. C'était en France. Vous vous acharnez contre le député, pourquoi? C'est aller demander, parce que vous voulez la comparaison, aller demander un député de la France est payé combien? Avec tout le soutien qu'il a par mois, c'est combien? Mais nous ne sommes pas dans les histoires d'argent. Il faut que quelqu'un puisse faire son travail correctement. Moi, je n'ai pas compris. Hier, quand j'étais encore dehors, aujourd'hui, je suis député, je vous dis, c'est une merde. Il faut voir comment les gens viennent. Et là, je lis dans ce que le président disait l'autre fois dans une conférence de presse. Il dit qu'il faut laisser les députés. Ils aident aussi l'État. Ils n'avaient pas tort. Et ça ne sert à rien que nos compatriotes puissent en vouloir aux députés. Monsieur Amissi Makoutan, vous êtes député national. Bien sûr. Dites-nous, vous touchez combien? Moi, je n'ai pas encore touché. On m'avait dit, je vais toucher 15 millions de francs congolais. C'est ce qu'on m'avait dit. Mais jusque-là, je n'ai touché rien sur mes mains. Donc, depuis que vous êtes installé? Bien sûr. Vous n'avez pas encore été payé? Non, je n'ai rien. Donc, vous ne connaissez pas encore votre salaire? On nous a dit 15 millions de francs congolais. Maintenant, calculez les 15 millions. Ce que je vous dis, demandez à tous les députés, ils vont vous dire, c'est ça le message. Vous aurez 15 millions de francs congolais. Vous pouvez jurer devant tous ceux qui vous suivent en ce devant moment. Devant mon Dieu. Les salaires des non, députés... je ne jure pas devant vous les humains. Je jure devant Dieu. Les salaires d'un député, on a dit, c'est 15 millions de francs congolais. Je mets ma main. Je peux vous tromper, vous êtes un humain, mais devant Dieu, non. 15 millions de francs congolais. De francs congolais. Si vous m'autorisez, je peux prendre mon téléphone, j'appelle un autre collègue sur ce plateau. Allez-y. Donne-moi le téléphone. C'est quel député? Le député Georges, l'élu de Kailo. Il décroche pas. Ouais, peut-être il est... Si lui ne décroche pas, j'ai appelé un autre. D'accord. Votre correspondant ne répond pas. Ok. J'appelle le deuxième Mounium. D'accord. Patrick? Patrick Mounium. D'accord. Bon, je ne sais pas moi s'il est... Je crois qu'il peut me rappeler. Hein? Donc, j'allais l'appeler. Les deux, là, j'allais les appeler et ils allaient me répondre sur ce plateau. Je n'ai pas à mentir. Vous comprenez? Parce que ceux qui nous ont envoyés, hein, ils ont aussi besoin d'avoir les informations, de spéculer. Tu vois, les gens disaient, non, ils ont eu 400 000 pour les frais d'installation. Même pas un rond. Oh, ils ont eu 33, ils auront 33 000, c'est ça qu'ils ont $33 000. J'ai cherché même pour comprendre. Est-ce que même 10 000 même...
Non. Il y a des choses. Il y a des spéculations. Non. Et avec un tel comportement, mon frère, tu peux avoir des ennuis contre tes compatriotes parce qu'ils te croient être à la mêlée. Non. À un certain niveau, nous devons nous regarder en face et de nous dire des vérités. Souvent, on ne se comporte pas bien. On est dans la nuisance. On est dans la médisance. On est dans les... Dans des stigmatisations. Nous sommes dans... Pas dans les vrais. Ok? Moi, dans ma vie, je suis très content d'appartenir dans une classe, dans un parti politique vrai qui est l'UDPS. Et j'aime être vrai. C'est pourquoi il y a certains qui peuvent vous juger que vous êtes dur. Parce que quand vous dites non, ça reste non. Et vous pouvez motiver votre non. Et si c'est oui, ça reste oui. Et vous motivez votre oui. Mais la manière dont les gens commencent à se comporter, c'est la haine vis-à-vis les uns contre vis-à-vis des autres. Et là, ce n'est pas bon. Au nom de la transparence, il est quand même important qu'on puisse communiquer suffisamment. Le gouvernement, l'institution puisse mettre à la place publique déjà... qu'on connaisse au moins pour taire la rumeur. Bon, peut-être avec l'installation du bureau définitif. Parce qu'il y a même des collègues qui ont été chassés dans des hôtels, qui sont venus de province. Est-ce que vous en parlez? Vous ne voyez que la spéculation pour mettre ça sur la place publique. Parce qu'ils sont impayés. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'arrivent pas à s'y venir aux besoins. Mais pourquoi? Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Rien n'est encore réglementé. Ok? On a trouvé, on a dit non. Les députés, on les payait 15 millions de francs congolais. Vous n'êtes pas dans des commissions, vous n'êtes pas... Il y a des travaux qui se font dans des commissions. Là, vous pouvez avoir des primes. Hein? Mais les salaires, c'est connu, c'est 15 millions de francs congolais pour un député national. 15 millions de francs congolais pour un député national. On va carrément finir. Monsieur Abissi Makoutano. Au niveau personnel, parce qu'on parlait du cardinal Ambongo, au niveau personnel, vous pensez que c'est bon? Ce que nous avons suivi sur les réseaux sociaux, on entend des gens, on voit des gens qui y écrivent, qui insultent le cardinal, qui est de tous les noms, qui disent que c'est un porte-parole de Kagame, c'est un infiltré. Est-ce qu'il mérite ça? Bon, il fallait commencer d'abord pour comprendre. Lui, il avait dit quoi pour qu'il soit taxé? Ainsi, nous pouvons avoir nos problèmes, mais vous ne pouvez pas prêter des béquilles à un ennemi. La sortie des Ambongo, c'était pour défendre la position de Kagame et tous ces malfrats qui sont là-bas. Dire que nous, il y a des Congolais qui fuient ici parce qu'ils n'ont pas été pris en compte par rapport à la distribution du gâteau. Moi, personnellement, j'étais perdu. Il y a des Congolais, il y a le gouvernement congolais qui arme les Ouazalendo et les FDLR. C'est ce qui justifie l'agression. Donc il a justifié Kagame, un cardinal de la République démocratique du Congo. Non, on a été avec des Monsengo, le cardinal Maroula et Tchaou, on n'a pas vécu avec ce que nous sommes en train de vivre avec Ambongo. Hein. Mais le gouvernement... Il s'est rebiffé hier, j'ai suivi. Il y avait une messe là, là-bas, à la cathédrale. Il a essayé un peu d'arranger, mais ça lui colle. En voulant donner des spectacles, qu'on m'écoute que je parlais. Non. Le rôle de l'Église, c'est de prêcher la parole. La question des FDLR, ça fait toujours polémique. Hein? Je suis en train de vous dire, les FDLR ont quel village qu'ils ont pris là-bas au Rwanda? Parce que ce sont des Rwandais. Ce n'est pas les Congolais qui ont amené les FDLR au Congo. C'est toujours la France là. Avec l'opération Turquoise, vous connaissez au moins. Ils se sont retrouvés. Qui les a maintenus ici? C'est la communauté internationale. Alors, si vous voulez prendre le prétexte de FDLR, moi je vous pose la question. Dis-moi, quel est ce centimètre du Rwanda qui est pris par les FDLR et que le Rwanda puisse se sentir en insécurité? Mais ces fameux FDLR, dont le gouvernement a présenté le plan déjà de sortie, le plan de neutralisation,
il se trouverait où, selon, mais les F, selon le gouvernement? Mais les FDLR aussi, il faut aussi le dire. Ils sont ici depuis combien d'années? Mais s'ils sont vivants, ce sont des personnages fatigués. Ils n'ont plus la force. Chez eux, c'est au Rwanda. Pourquoi cette communauté internationale, ou bien Ambongo, ne pouvait pas demander à Kagame d'organiser une table ronde de la réconciliation entre peuples, de voir les Tutsis et les Hutus se mettre ensemble pour qu'ils parlent sur le devenir de leur pays? Maintenant, quand lui quitte le Rwanda, est-ce que les FDR ont attaqué le Rwanda? Non. Mais ces gens-là sont en train d'attaquer le Congo. Kagame dit que ces FDLR sont en train de collaborer avec l'armée régulière. J'ai dit, ils collaborent pour faire quoi? Moi, je donne seulement un petit exemple. Quelle est cette ville du Rwanda qui est attaquée par les FDLR? Dis-moi. Mais nous, c'est plusieurs localités, plusieurs contrées qui sont entre les mains du Rwanda, avec les malhonnêtes de chez nous ici, et avec l'armée rwandaise. Mais lui... ça ne se justifie pas. La trempe du cardinal, comme nous les connaissons, parce que moi j'ai quitté déjà l'église catholique. Pourquoi? Mais j'ai quitté. Pourquoi? J'ai quitté. C'est avec beaucoup de regrets que j'ai quitté l'église de mon enfance. À cause du cardinal Ambongo? Oui, j'ai quitté à cause de lui. J'étais servant, j'étais sacristain, j'étais aspirant, j'étais petit séminariste, j'étais lecteur. J'autorisais, quand j'étais sacristain, j'étais avec l'ordo pour mettre la couleur que devraient porter tout au long de la semaine les prêtres. J'étais vraiment proche, mais malheureusement, mon église est mal orientée et je suis perdu. Qu'on se mette d'abord d'accord sur la question des FDLR. Est-ce qu'ils sont sur le territoire congolais, oui ou non? Mais est-ce que depuis 1994, vous avez déjà écouté que les FDLR sont rentrés chez eux au Rwanda? C'est-à-dire? On a mis le mécanisme PDDRR, ceci, c'est quoi là-bas, pour prendre les Hutus, les retourner chez eux. Qui ne veut pas? C'est Kagame, non? Là où ils vivent, c'est connu que non, ils sont ici en entendant qu'ils puissent être rapatriés chez eux. Donc, ils sont en RDC. Ils sont en RDC, quelque oui. Quelque part, en attendant qu'ils soient rapatriés chez mais eux. Mais bien sûr, c'est comme ça a toujours été. Nous aussi, nous avons des réfugiés. Nous, le jour de leur rapatriement, qu'est-ce qu'on fait? On organise une cérémonie. De leur dire, en tout cas, vous allez. C'est ce qui devait être fait. Donc, il y a des réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Et aussi, ce sont des réfugiés qui sont au Congo. D'où la nécessité de rencontrer, les deux chefs d'État doivent se rencontrer. Les deux chefs d'État peuvent se rencontrer dans le cadre de collaboration entre pays. Hein. C'est de se dire, mon frère, moi j'étais réfugié ici, toi aussi tu as le mien là-bas, on fait les champs qui retournent. Quelle est la cause? Parce qu'il y a certains de ces réfugiés qui peuvent dire, non, nous si nous allons là-bas, on va nous tuer. Okay? Il faut qu'il y ait des mécanismes de protection. On ne peut pas livrer les gens comme ça. Vous comprenez? Ça revient mutatis mutandis avec le Congo et le Rwanda. On fait les échanges. Ces gens-là, quand ils vont aller chez eux, ils seront gardés. C'est chez eux. Tous ceux qui vont en Sibir, c'est chez eux. Mais pourquoi refuser que ces gens-là puissent retourner chez eux? Quel intérêt que les Congo ont pour gagner pour garder les Hutus? On n'a pas l'intérêt. Donc, nous devons être cohérents. Il y a une complicité qui ne dit pas son nom. Il nous revient, nous, en tant que Congolais, de prendre le dessus par rapport à ces complots qui se peaufinent contre notre pays, du fait que nous avons le meilleur sous les sols. Mais bien entendu, le président de la République n'a pas fermé la porte aux négociations. Tout celui qui a sa capacité, tout celui qui a ses moyens de pouvoir amener, lui, il a ses services, nous aussi on en a, nous avons nos actifs, c'est la terre et ce qui nous appartient sous sol. Nous allons mettre justement les communs pour voir, toi tu vas avoir combien, moi aussi j'aurai combien, vous créez. Nous transformons, quand nous vendons, vous avez vos pourcentages, nous aussi nous avons nos pourcentages. Pourquoi ils veulent toujours passer derrière les dos des Congolais en utilisant les armes et les sang des Congolais? Non. Et je crois que nous tous, nous devons regarder dans la même direction et de dire que non, ça suffit. Ça suffit, il faut que la guerre cesse entre les deux États, l'agression de la République démocratique du Congo, les M23, les FDLR. Finalement, en définitive, ce qui va résoudre cette insécurité passera notamment par la rencontre entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et
Paul Kagame pour mettre fin à cette insécurité. Mais le président de la République était clair. Aussitôt accédé à la magistrature suprême. Mais le premier travail qu'il a eu à faire, c'est ça. Rencontrer les responsables de nos 9 frontières. Parce qu'il a dit, la construction de la zone ne peut qu'avoir lieu si nous, nous parlons le même langage et nous nous mettons d'accord sur les échanges, sur le plan économique et les restes. Il y avait des accords économiques signés entre le Rwanda. Mais bien sûr, il y en a eu. Il y en a eu, mais c'est résilié, il y en a eu. C'était juste pour apaiser les uns et les autres. Et le président en a fait allusion lors du passage de Sarkozy ici. Quel a été le message de Sarkozy? C'était de laisser le Rwanda venir exploiter, faire tout ce qu'il fallait. Mais tout en respectant les règles. Le Congo n'est pas un dépotoir où on peut jeter n'importe quelle catégorie. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ces accords-là entre le Rwanda et la RDC sous l'exploitation des matières premières? Mais nous sommes frontaliers, vous comprenez? Oui. Même si quand vous allez à Goma, vous allez trouver que ces deux peuples-là s'échangent. Le matin, il y a les Rwandais qui quittent le Rwanda pour travailler à Goma. Il y a aussi les Gomatraciens qui quittent la ville de Goma pour les Rwandais. Vous comprenez? Ça revient quand même. Oui. Quand vous voulez, par exemple, exploiter les minerais ou les ressources de la République démocratique du Congo, il y a quand même... Là-bas, on n'exige pas le passeport. Il y a un document qui permet cette libre circulation de la zone. Vous venez. Mais il y a quand même des réglementations. Vous comprenez? Tu es un étranger, tu peux travailler sous... C'est le travail, ok? Peut-être il y a certains qui vont se livrer à creuser. C'est comme nous aussi, les Congolais, on allait en Angola pour creuser les diamants et les restes. Mais tout en respectant les règles fixées par les Angolais. Mais qu'est-ce qui a été conclu entre la RDC et le Rwanda au début du mandat du chef de l'État? Non, c'est les échanges. Hein, sur le plan commercial, sur le plan des investissements, et c'était ça. Mais qu'est-ce qui a capoté? Même à l'Ouganda aussi, vous allez comprendre que non, la route Kassindi, Béni, c'est ce qui permettait qu'il y ait la liaison. Parce que ce qui est consommé là-bas, ce sont des histoires du Rwanda, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Parfois, au Congo, nous avons des spécialités qu'il n'y a pas au Rwanda. Mais qu'est-ce qui avait capoté? Hein? Pourquoi le non-respect de Kagame, la ruse de Kagame, la délinquance de Kagame, qui a fait que le Congo puisse rompre avec un rusé comme il est, et de se préparer en conséquence pour se libérer une fois pour toutes. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas cumulé des erreurs au sein de l'UDPS dans cette question d'insécurité? Le cas de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gilbert Kabanda, selon le chef de l'État, qui fait venir les M23 ici à Kinshasa, logé ici 14 mois à l'insu du chef de l'État. Comment on peut expliquer une chose pareille? Des gens qui ont tué dans le passé, on les fait venir, on les loge. Pour quel intérêt? Les erreurs font partie de l'expérience. Et aujourd'hui, M. Kabanda est totalement libre. J'ai dit, les erreurs font partie de l'expérience. Il faut demander, ils sont venus, c'était par quelle occasion et quelle a été l'utilité de leur présence ici. Oui. Nous sommes un État. Nous, les Congolais, souvent, nous nous poignardons nous-mêmes. Il y a des choses qui ne peuvent pas apparaître. C'est pourquoi on vous dit, l'armée ou la sécurité, ce sont des domaines plus sensibles. Ce n'est pas à mettre à la place publique. Ça fait partie aussi de la stratégie. Moi, je suis un breveté de Chesd. Justement, vous êtes... Je fais les hautes études de la défense et de la sécurité de notre pays. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire à Kinshasa? Sur le plan stratégique, vous comprenez? Quand vous mettez la stratégie en place, ce n'est pas tout le monde qui accède à l'information. C'est comme l'opération qui a été menée contre Osama Ben Laden. Si on informait tout le monde, ça n'allait pas réussir. Même le président de la République des États-Unis était renfermé, il n'est pas rentré chez lui. Même les services du Pentagone, ils n'avaient pas des informations sur ce qui devait arriver dans les heures qui suivaient. Et tellement que c'était la stratégie a eu sa bonne marche parce qu'il y avait des gens qui ont été coachés, enseignés, jusqu'à mettre la stratégie en place. Vous ne répondez pas à ma question. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire à Kinshasa? Mais pourquoi ils ont fait 14 mois à Kinshasa? Mais vous allez me demander, c'est pas moi le ministre de l'Intérieur à son temps.
Parce que quand vous le dites, vous m'informez aussi. Moi, je ne savais pas qu'ils étaient ces 14 mois. Ça, c'est le chef de l'État qui l'a dit. Ah, comme il l'a dit, lui-même, il a des informations. De son briefing. Ouais, lui-même, il a des informations. Moi, je n'ai pas ces informations. Vous n'avez pas ces informations-là. On va finir, monsieur Amissi Makoutano. Qu'est-ce que vous allez dire à la classe politique, aux ministres qui seront élus, qui seront plutôt désignés très bientôt, membres de gouvernement, restant fidèles au principe de ne pas répéter les erreurs du passé? Oui. Quel message aux nouveaux ministres qui seront bientôt connus? En tout cas, personnellement, pour moi, c'est de ne pas ramener les anciens ministres. Pourquoi? Pas beaucoup d'anciens ministres. Les warriors. Parce qu'ils vont réitérer les mêmes exploits de ce que nous décrions. Et ils sont nombreux dans ça. Ils ont leur conscience chargée. Ils ont beaucoup promis. Ils n'ont rien fait. Et ils sont dans des calculs. Il y a des jeunes avec des compétences avérées. Comme vous, par exemple. Capables. Je ne me cite pas, je dis. Il y a des jeunes. Administrables. Qui peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes en aidant le président et chez lui. Et il s'est dit, j'ai des collaborateurs, des jeunes capables de relever les défis. Ce n'est pas à chaque moment le président vient répondre à une question qu'un ministre peut répondre. Ce n'est pas normal. Vous voyez, vous avez vu le président Mbandaka, on lui demande, non, Otonga ta toilette à Waté. Ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aidé le président et ça nous fait très mal. Nous avons vécu avec notre chef. Nous savons. Il sait notre détermination. Il sait comment on se comportait quand il faut défendre les causes nobles pour la République. Et aujourd'hui, avec cette histoire du Méli-Mélo, nous sommes dans un retrouvaille hétérogène. Les gens ont leurs agendas. Ça me fait très mal. Et quand je scripte un peu l'environnement politique, Dan, je te dis, souvent, j'ai mal au cœur. Le président ne mérite pas ça. Il y a beaucoup de gens qui abusent de sa bonne foi et ils se disent et ils se permettent de faire tout ce qu'il faut faire. C'est pourquoi il a demandé à la justice de faire son travail. Mais malheureusement, toujours c'est la déception. C'est la déception. Non. Merci Même beaucoup. Si tout le monde peut être médiocre, mais il y aura toujours un meilleur. Et le président va en tenir compte avec le gouvernement. Cette fois-ci que jamais, je crois que les gens vont être surpris. Il y aura encore des discours ici. Mais qui ne seront pas des discours appropriés. Mais c'est là où nous aurons une réalité et surtout une bonne conduite pour un pays qui se veut sérieux avec un digne président comme Félix Tshisekedi. Où vous voyez que non, il y a d'autres pays qui vous mélangent les gens. Ils vous donnent le président, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée. Ils vous donnent. Que vous lui donnez seulement Félix Tshisekedi. Mais nous-mêmes, nous n'arrivons pas à capitaliser cette gloire. Ah, on vous dira et on vous demandera un jour. Vous étiez avec Jésus, Félix Tshisekedi, mais vous ne connaissiez pas. C'était lui le sauveur. Il est le Messie. Il est le sauveur. Le sauveur de qui? Du Congo. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Monsieur Amissi Makoutano, au cadre de l'UDPS Tshisekedi, il est également député national élu. Donc, merci énormément d'avoir été avec nous. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous souhaitons également bonne chance à tous, à ce gouvernement qui va donc bientôt être installé. Parce que son échec, c'est notre échec. Sa réussite, c'est notre réussite. Nous, petit peuple. Au revoir, portez-vous bien et à très bientôt.